Waouh, bonjour. Ah, je suis contente. Quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux un peu les Ivoiriens parler du football à Sékou Touré, à Sékou Africa. C'était chic, c'était chic. Moi, j'aime la paix. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais heureuse. J'étais très heureuse. Pourquoi ne pas organiser ça de temps en temps? Avec surtout le Ghana. Le Ghana, c'est un bel exemple pour nous, hein? Oui. Et puis, après, maintenant, là, on va se concentrer sur le football pour que la paix soit totale. J'étais contente de voir les Ivoiriens parler de ASEC Africa. C'était un peu l'ancien temps quand même que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux. Donc, je vous en prie, les autorités ivoiriennes, regardez un peu ce côté-là, organisez les matchs. Et puis, on va revivre un peu le temps passé. OK? Libérer Gbagbo, libérer les prisonniers. Et puis, on va organiser les matchs de football pour ramener la paix. Pourquoi pas? Ivoirien n'aime pas Palabo. Hein? On est fatigué. Hein? Pardonnez. Libérer tous les prisonniers et puis, on va avancer. Les jours passent. Les jours passent. C'est Dieu qui nous tient encore. Je vous en prie, c'est mon message du samedi matin. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu vraiment l'engouement. À Sékou Africa, tout le monde était content, tout le monde parlait de ça. On a oublié quelques minutes. La politique doit ramener la paix, libérer les prisonniers et puis, Maboblé, vous devons rentrer et puis on va vivre la vie. Nous, on aime la vie, Warren n'aime pas Palabou. Hein? On aime s'insulter entre nous. On rit, on mange, et puis vous voyez, non. C'est ça, Ivoirien. C'est mon petit message du samedi matin. OK? Bye.